Allez, c'est parti les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un petit coup du soir là, pêche du carnassier en rivière. Donc là je suis avec un petit squeletton. Voilà, le petit squeletton rouge et blanc. Donc c'est parti. L'eau elle est pas mal trouble là, parce qu'il n'y a plus là, aujourd'hui, hier, il y a pas mal plu. Donc on va essayer de faire du poisson. Hop. On va essayer principalement de viser la perche et le brochet. Pourquoi pas aussi passer sur un leurre de surface. Je pense qu'on va faire plusieurs coups du soir comme ça. L'eau elle a un peu monté. Elle n'a pas monté de grand-chose quand même. Hop. Ah non, c'est un peu plus loin. Une petite perche. Pourtant, là aussi, souvent j'en fais. Là, c'est la petite bordure. Souvent, il y a des brochets là. Souvent, il y a des brochets. Même pas. Ouais, il n'y a rien du tout. Peut-être à cause du changement climatique là. Je sais pas du tout. Hop, sur la petite bordure de l'arbre juste là-bas. Poisson. Loupé. C'était un petit brochet, voilà. Je viens de louper un petit brochet, il m'a carrément retiré le leurre. Bon, malheureusement, là, je pense que je l'ai piqué, donc il remordera pas. Hop, on remet quand même le leurre et on va faire un petit lancer au même endroit. Pourtant, ça fait plusieurs fois que je lance là. Voilà. Donc là, j'ai lancé sous l'arbre, il me semble. Est-ce qu'il va remordre? Il n'a pas décidé à remordre, malheureusement. Allez, on change de leurre. C'est parti. Un petit leurre de surface. Un petit whopper popper, c'est un gros leurre, mais je pense que même des petits brochets peuvent le prendre sans problème. Commence vraiment un peu à faire nuit là. Hop, c'est bon, un petit whopper popper, c'est parti. C'est bon, le frein il est assez serré. Je pense que ça peut peut-être déclencher les poissons parce que là ils sont un peu feignants avec l'appui. Merde. Allez, c'est parti, on est arrivé au deuxième spot. Donc on a toujours laissé le même leurre là, le petit leurre orange. Voilà. On va essayer de faire un peu de perche. Je pense qu'on peut peut-être même faire un chevesne avec. Du coup du soir comme ça. On peut peut-être se décider à mordre.
Poisson. Putain, poisson. Des crocs? Ah non, j'ai encore. Qu'est-ce que j'avais dit? Je le savais. Je savais qu'ici il mordait qu'à ça. Je suis passé au moins 5 fois avec un leurre. Lui, il m'a déjà coupé déjà. Je suis venu le week-end, la semaine dernière, il m'avait coupé. Putain, je le savais. Petit brochet. Voilà. Attendez. Il a pas hésité à avaler un beau leurre. Voilà, un beau brochet. Hop, on va le décro. Attends, ne bouge pas s'il te plaît, parce qu'il y a les hameçons. Oh le con, il s'est mis l'hameçon dans l'œil. Il s'est mis l'hameçon à côté de l'œil. C'est bon mon pauvre, c'est bon. Doucement. Ils sont un peu agités là ce soir. Voilà. Beau brochet. Qui va repartir à l'eau. Il y a des très belles couleurs ce brochet. Allez, ça repart nickel. Je vais essayer d'en faire un autre. Je sais qu'il y en a un plus gros là-bas, sous les arbres à gauche. Oh, j'ai de la chance. Essayer de faire un dernier sous l'arbre, un dernier lancer sous l'arbre. Les amis, fin de session. Donc on aura fait un seul poisson. J'aurai décroché un autre petit brochet sur le premier spot. Et quelques tables de perche. Et sinon, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Je ferai pas mal de coups du soir comme ça. Pêche du carnassier, je pense on reviendra sûrement sur ces petits spots là pour essayer de traquer ce brochet là que je cherche. Et sinon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci à vous. Et on se dit à une prochaine vidéo les gars. Bisous.